Bonjour à tous, c'est Mitidoka. On se retrouve aujourd'hui pour effectuer un raid et on va aller raid la base de Paradise. Donc, j'espère que ça va être un raid plutôt cool. Je vous mets la vidéo en accéléré le temps de faire le tour du proprio. Déjà, il a le chopper, donc ça, c'est plutôt pas mal. On va mettre ça là. On va prendre ça. On va siphonner son chopper. Donc, je suis désolée pour la voix que j'ai ou si j'ai une extension de voix pendant la vidéo. J'ai la crève, tout simplement. Allez, c'est parti. On va mettre ça là. On va mettre le C4 ici pour pas faire de bêtises, on en garde un. Ça ici, on lui redonne là-dedans. Il n'y a que dalle et on fait le tour du proprio. Ok, là, il n'y a que des murs level 3. Ok, il y a un Rémi, mais il est inoffensif, donc on va le laisser en vie. Il y a la tête de sorcière ici. Ok, je pense qu'on va poser le C4 à côté de la cage à chien, comme ça, quand le Big One va pop, je vais pouvoir l'enfermer dedans, ce sera beaucoup plus pratique. Allez, hop, on pète ici et là-dedans, il y a quoi? Oh, il y a quand même pas mal de mal. C'est plutôt pas mal. Ah, il y a un râtelier, regardez. Et en plus, il est fourni. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est génial. Allez, hop, on pète le râtelier. Il y a quoi là-dedans? Oh, nice. Un VSS et un minigun. C'est plutôt sympa. Du coup, comment on s'organise? Je pense que là-haut, ça doit être son bois. Là, ça doit être le métal. Il a l'air d'être plutôt bien organisé. Il y a des mâles à côté de chaque truc. Donc, je pense que je vais casser déjà ces deux mâles et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, là-dedans, il y a quoi? Oh, ça, c'est pas mal. On a une tenue SWAT en entière, des soins. Il y a les moches qui arrivent. Je pète la deuxième caisse et du coup, je vous fais une petite ellipse. Allez, à tout de suite. Ça y est, tous les moches ont pris une claque. Alors là-dedans, il y a quoi? Des carottes. Les carottes, c'est la vie. On va en manger quelques-unes, histoire de prendre des vitamines. Du coup, je crois que j'aurais pas pris assez d'armes. J'ai pas pris assez d'armes et en plus, j'ai oublié le silencieux sur l'une, je crois. C'est pas grave, on va faire avec. Du coup, je sais pas où taper. On va taper en bas, je pense. Allez, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. C'est parti! Il y a quoi là-dedans? Oh, nice! Une caisse, on a une M16, un blouson SWAT, mais on va pas le prendre pour le moment. On va voir d'abord ce qu'il y a dans les autres caisses avant. Allez, là-dedans, il y a quoi? Ok, un briseur d'os, un truc d'huile. J'en ai déjà pas mal à la base, donc je sais pas si c'est bien nécessaire. Là-dedans, il y a quoi? Alors, on a été dérangé par les moches. Ok. Le litron d'essence à la rigueur, je vais aller le mettre dans le chopper, je vais poser le minigun et le VSS et puis on va se faire les autres coffres. On va faire ça comme ça. Allez, c'est parti, on y va. Hop, on va mettre ça ici, on remplit, on va lui redonner sa bouteille d'eau vide là. On va pas la garder, on va faire un peu de rangement, on va mettre ça ici. Hop, impeccable. Bon, alors, il nous reste quand même pas mal de mal à ouvrir, donc je pense qu'on va devoir composer avec le Big One, ce que j'aime pas trop, mais bon, quand on n'a pas le choix. Il y avait des trucs ici, on va prendre les kits de soins, parce que c'est toujours bon à prendre, comme j'utilise le moins d'armes à feu possible, c'est vrai que j'utilise quand même pas mal de kits de soins et de tenues, donc du coup, ce sont des items qui m'intéressent. On va faire ça comme ça, on va mettre deux kits de soins ici. Je pense que mon arme ne va pas suffire, donc il va falloir que j'aille en chercher une autre, peut-être le briseur d'os que j'ai vu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la tenue et on va s'équiper de cette tenue par la suite. Hein. On va prendre les kits de soins, voilà, on va faire ça comme ça. Les tickets, je viendrai les prendre après, je pense que je prendrai que les tickets orange, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal, c'est plutôt sympa. Là, ok, donc le briseur d'os, c'est là si j'en ai besoin, là... Rien ne m'intéresse. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner deux coups sur chaque coffre. Donc, je vous mets la vidéo en accéléré. Ça va éviter que vous m'entendiez compter 1-2 à chaque fois. Tout simplement. Allez, c'est parti. Pardon, je suis désolée. Allez, on met deux coups sur chaque coffre. Ça, c'est bon. Je pense que là, ça doit être son bois. Ça doit pas être autre chose. On vérifiera par la suite. Alors, on s'organise comment? On met ça là comme ça. Ça comme ça. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et on va y aller. Allez, c'est parti. Là-dedans, il y a quoi? Ok. Alors, il y en a qui vont râler. Mais le circuit électronique, je suis désolée, je ne le prends pas. J'en ai plus de 60 à la base et je ne sais pas quoi en faire. Là, ok. Il y a les moches qui arrivent. Je vous fais une petite ellipse.
Alors, j'ai plus d'armes, donc du coup, il me reste deux moches à tuer. Je crois que le briseur d'os, il est là. On va s'en équiper et on va les finir au briseur d'os, tout simplement. J'avais pas prévu assez d'armes, en fait. Hein. Allez, celui-là, on l'achève. On va manger 2-3 carottes. Et on va commencer quand même à remplir notre inventaire. Ce serait plutôt pas mal. On va prendre les tickets. Les tickets, ça m'intéresse. Ça fait quand même des armes à feu au bunker. Donc dans les caisses oranges pour 25 tickets, vous avez donc deux armes pour le sûr. Donc 50 tickets, ça vous fait 4 armes. Donc là, en tout, ça nous fait 8 armes. C'est plutôt sympa. Les 35, je vais pas les prendre. Je vais essayer de voir s'il y a autre chose qui m'intéresse. Éventuellement le blouson là. Soit on va le prendre là-dedans. Non. Ici, non plus. Je pense que je vais rien prendre. Là, on a dit qu'on prenait pas. Désolé pour ceux qui sont à la recherche de circuits électroniques, mais vous pouvez en avoir dans le recycleur, hein. On peut en avoir assez facilement, contrairement à avant où c'est un item plutôt rare. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à donner deux coups sur chaque coffre. On va donner. Non, on a déjà fait, je suis malade, moi. On va voir ce qu'il y a de là-dedans, déjà. Ok. Ça m'intéresse. Il y a le Big One qui va ramener sa face. Le voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enfermer dans la cage à chien. Et on va s'occuper déjà des deux abominations toxiques parce que sinon, elles vont me gêner. Donc, je vous mets la vidéo en accéléré. Voilà. Et on va déjà les tuer, elles. Et après, on ira ouvrir les autres coffres. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'ouvrir tous les coffres. Les tartines du Binoguan font déjà un petit peu mal. Ça peut encore aller. Mais je ne vais pas risquer de perdre le loot que j'ai. Allez, viens la pépère. Allez, après moult claquades, ils vont enfin mourir. Ah, encore un petit coup. Ça va être le dernier. On attend qu'il pop. Voilà, il pop. Le dernier coup. Reste dans ta cage. Voilà, impeccable. Du coup, on en était où? Là-dedans, on va prendre les 20 plaques de fer. Ici, il y a quoi? Ok, éventuellement, il y a les barres de fer qui m'intéressent. Ah, pousse-toi! Allez, on le remet dans sa cage. Viens la pépère. Donc, ce qu'on va faire, hein, c'est que on va s'équiper de ça, puisque le briseur d'os, je vais lui laisser. Et on va prendre les barres de fer à la place des deux items là-haut. Allez, c'est parti. On prend, du coup, ça fait 40 barres de fer. Voilà, et on prend les kits de soins. On va regarder quand même ce qu'il y a dans les autres coffres. Viens là, retourne dans ta cage, sois mignon. Voilà, on l'attend tranquillement. Allez, viens. Il veut pas venir, hein. Viens t'enfermer dans la cage, viens chercher bonheur ici. Voilà. Oula, la claque à 43 fait mal quand même. Alors là-dedans, ok, il n'y a rien qui m'intéresse. Coffre d'à côté. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse? Éventuellement la tenue SWAT. Aïe! Oula, j'ai failli mourir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger notre tenue parce qu'elle a pris un petit peu. Donc, je vais prendre sa tenue SWAT et je pense qu'on va arrêter le raid ici. Raid de Paradise qui est plutôt sympa. Il y a des items qui sont sympas, même si c'est pas ouf, c'est plutôt pas mal parce qu'il donne des claques à 50 quand même. Ça commence à faire mal, ça pique. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit raid vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Lâchez-moi un maximum de pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.